encassé. Oh, c'est beau ça. Bon, eh bien bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc une vidéo qui va changer un petit peu de l'ordinaire parce qu'aujourd'hui on est en mer, voilà, et je suis avec mon ami Vincent. Salut. Voilà, donc on va se faire une petite journée donc sur l'île de Ré, on va essayer de faire une pêche du bar, une pêche du bar dans les parcs à huîtres, donc une pêche du bar un peu forte. Donc Vincent, je crois que tu vas nous expliquer un peu ça parce que c'est ta spécialité, ça fait déjà plusieurs années que tu viens ici. Et voilà, tu pratiques cette pêche, donc tu vas me faire découvrir ça. C'est assez musclé, tu vas nous en dire un peu davantage. Donc c'est un peu particulier effectivement parce qu'on est donc dans le domaine ostréicole et on pêche entre des tables, avec des espaces entre tables qui peuvent être de 5-6 mètres. Donc assez peu de latitude pour extirper les poissons. Et c'est là où la pêche devient assez puissante puisqu'il faut pêcher frein bloqué, gros diamètre de fil, et surtout empêcher le poisson de retourner sous les tables parce que là c'est la casse assurée. Voilà, donc une pêche forte, puissante. Bon, bah merci pour les explications. Allez, c'est parti. La mer ici, on dirait mer d'huile, donc une beauté. Mer d'huile, mer translucide. On croise les doigts pour cette journée. C'est ça. Allez, go. Ah ouais, ça glisse, hein. Ouh. Bon, eh ben j'ai mon Vincent là qui va partir au leurre souple. Et moi, du coup, j'ai bien envie de me faire plaisir. Je vais essayer un peu en surface. Puis on va voir ce que ça va donner. Sinon, je passerai sur un leurre souple. Allez, mon ami, on n'est pas bien là ? Allez, first cast. J'ai pris une touche. Non. Sûr. Bon, j'ai touché un poisson en passant dessus, mais ça m'étonnerait. C'était pas gros, mais j'ai pris une touche. T'as pris une touche, bah c'est bien. Si c'est ça, mon gars, je vais passer direct au leurre souple. Hein. Allez, donc là, on va avancer. Je vais enlever le whopper plopper et on va mettre un shad. Je vais mettre un shad peut-être un peu plus gros. Shad en coloris naturel. Et là, on va avancer direction l'étable. Je commence à avoir mal au crâne, mais en fait, je sais pourquoi, mon ami. À cause de... Eh oui, c'est la GoPro. Le Cell Tate. J'ai pêché sur ta droite. Moi, avoir plus de... Accroché. Ah oui, plus de... Hé, tu tombes. Putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce carré? Regarde, c'est une ligne. Oh, c'est une ligne de fond. Mais c'est les gars qui ont tendu ça, c'est pas possible. C'est exagéré. Tu sens pas une tension? Tu sens pas que ça gigote? Par contre, il n'y a plus rien au bout. Hein. C'est des appâts naturels qu'ils avaient mis. Sûrement, ils sont bouffés. Regarde la chasse là-bas, tout au fond. Deux poissons différents. Au même moment. Il y a de l'eau là. Hein. Je suis sur la pointe des pieds. Voilà, on va arrêter d'avancer parce que c'était tard là déjà. Donc on va commencer à pêcher là. Moi aussi, je suis sur la pointe des pieds, je suis content. Oh, j'ai pas. Non, c'est vrai. Ouais. Ah mais c'est pas violent. Oh, pille. Oui. Oh, cassé. Non, t'as touché une pierre. T'as touché. Hein. Mais oui, j'ai senti. C'est pas vrai. Il faut absolument que tu tiennes la canoë et que tu le gardes en surface. Et j'ai pas voulu, tu vois, le brider parce que ça fait pêche brutale. Et ben voilà ce que j'ai récolté. Ça m'a coupé le fil. Bon, c'est pas vrai. Je t'avais dit que tu... Mon Daywalker. Je t'avais dit que tu casserais mon sable. C'est obligé. Ah non, mais et ça, c'est... Il faut bourrer. Non, mais c'est pas possible. Tête de poisson en surface. Mais j'ai bien senti, ouais, il y a des pierres. Il était joli. Oh non. Bah ouais, au nom, tu peux le dire. Vous avez votre seule touche du séjour. Non, mais c'est pas vrai. Ah oui, regarde, non mais regarde, oui. Il est tout, tout broyé, il a frotté sur les rochers. Tu m'avais dit de ramener ça comme un bourrin. Et de fermer ton frein.
Bon, il n'a pas crissé. Il n'a pas crissé, mais tu vois, j'ai pas voulu non plus ramener le poisson, lui faire faire du ski nautique. Il faut. Tu crois que c'est des mouchetés ? Non, je pense pas. Non, mais là, je vais faire comme toi, hein, la pêche de bourrin. Mais t'as pas le choix. C'est dommage, c'est frustrant, mais c'est le milieu qui veut ça. Ah, pas trop loin, ouais, je suis beaucoup trop loin là. Oh, purée! Ah, cassé! Non, c'est pas possible! J'ai encore perdu! Mais c'était gros, hein. C'était gros, Seb. C'était gros, hein. C'était gros! T'as vu comme j'ai troyé? Non, mais c'est une pêche, mais c'est impossible! C'est impossible! C'est pas impossible. Ça fait deux poissons que je casse sur le naturel, le 120. Je vais tester le pailleté. T'as pris un pet énorme, là? Eh, un pet énorme, en surface! Non! Je le ramenais avec une TP de 5 grammes, pas en buzzing, mais il est venu le prendre en surface! Et t'étais loin du. T'étais loin de la table? J'en sais rien! J'étais à 1 mètre de la table! Poisson! Yes! Ouah, il est à peine maillé! Wouh! Eh ben, c'est bien ça! Oh putain, je suis parti! Cool! Petit poisson, mais. Mais poisson! Bon, bah voilà, mon Vincent! Un beau poisson, ça! Ah ouais, super content! Des belles couleurs! On se le remet à l'eau? Ouais! Entre les jambes du Seb. Cool. Poisson ! C'est un peu plus beau ! Yes! Ah, génial! Belle touche, purée. Non, mais ils font pas semblant. Hein. Tiens. Deuxième petit poisson là. C'est clair. Enchaîné en rien de temps. Allez. Voilà. Ouais, comme table, super release. Cool! Hop, le mulet. Ouais, mais ça ressemble à une chasse, dis donc. Carrément. Le mulet qui se barre comme ça, si tu veux. Ouais, c'est bizarre. Il a dû voir plus gros, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des chances, ouais. Poisson! C'est pas encore gros. Eh, hey, mais je vais mettre ce coloris là, c'est pas possible. Il est plus joli. En fait. Ah ouais, il est plus joli. Hein. Yes! C'est bien ça! Oh mon Seb! C'est bien mon ami! Ah oui, tu peux mettre ce coloris là, il est joli! Putain, et moi je suis toujours bredouille mon amigo! Purée! La chatte à Mirai, ça est revenu! Voilà! Encore un joli poisson là, tu nous fais? Carrément! Sympa! Bah alors, explique-moi, c'est quoi la clé du succès, là? Le rig walker. Non, mais le dé walker. Pardon. Le dé walker. T'as mis un coloris un peu plus transparent, par contre. Ouais, tu vois, par rapport à moi. Et puis ramener un peu plus rapidement, parce que ce matin, je pêchais plus lentement. Donc la différence par rapport à ce matin, c'est que je pêche plus rapidement, comme tu m'avais montré, en fait. Ce matin, c'est comme ça que les touches s'étaient déclenchées. Hein. Il est plein de vie, tu sais, qui. Il va pas répondre. Super, merci. Merci mon Seb. C'est bien ça. Allez, on va mettre ce coloris là comme mon pote Vincent.
un peu plus bleuté, un peu plus transparent. Là, il a fait 3 poissons, j'en ai fait 0, donc peut-être le hasard. Ou pas. Et bah ça, les amis, on aurait peut-être plus de chances de prendre des bars si on tendait des lignes. Mais nous, on aime la pêche sportive. Donc on va pêcher au leurre souple. Il s'est décroché. Oh, je suis dégoûté. Et il était énorme, c'est un bestiau. Je sais pas si t'as vu, mais... Et là, tu l'as monté. Bah ouais, il était sur la nappe. Il était sur la table. J'avais en bout de canne. Et en fait, je pense pas qu'il m'a ouvert... Je pense pas qu'il m'a ouvert l'hameçon. Oh, les sensations, les amis. Chez la tremblotte. C'est énorme. Énorme, il était magnifique. T'as vu le poisson? Oh, je suis dégoûté. Ah non, mais il était trop en bout de canne, en fait. Trop en bout de canne, donc du coup... Il était magnifique. Non, mais un poisson comme ça, c'était mon poisson trophée, presque. J'ai jamais pris un bar aussi gros, hein. C'est clair. Yes! Il est joli celui-là! Wouhouhou! Ah! Celui-là, beaucoup moins gros que l'autre, donc du coup, beaucoup plus simple. Décroché dans l'épuisette, barmaillé, cool. Et ben voilà, regarde ça! C'est pas un monstre, mais non. C'est mon... Ah non, mais regarde la TP. Premier poisson de l'île de Ré. Regarde la TP. Comment tu veux que l'autre... Il te l'a mise en vrac, mais je te dis. Non, mais regarde. Regarde. Et pourtant, c'est du honneur. Hein. Je t'ai dit, le plus important, c'est la TP. C'est ton fer. C'est la TP. Bah, c'est un joli poisson, déjà. Poisson, c'est un beau poisson, ça. Ça, t'es un... Bon poisson. C'est maillé, ça. Hein. Ah ouais, c'est maillé. Hein. Ça ferait bien 45, hein. Bon, et ben c'était pas gagné. Premier bar des parcs, donc le deuxième là qui m'a fait une touche de dingos. Le premier, je pense qu'il m'a moitié ouvert la TP, donc je l'ai raté. C'est vraiment une pêche en force, les amis. J'en ai encore la tremblotte, mais c'est un beau poisson maillé qui va mériter sa release après ce beau combat. C'est ça. Allez. Oui. Bien joué, mon Seb. Bravo. Je suis content. Donc là les amis, j'ai ma basse force, donc en 6-30 grammes, voilà, et j'ai un moulinet, donc le saltiste, là en 3000, avec une tresse de 18 centièmes, et puis un bas de ligne, du coup, en 35 centièmes, pour pouvoir extirper les poissons des tables. Yes! Oui, mon ami! Superbe! Ah, il a voulu m'emmener dessous, sous les tables. Là, j'ai bien joué. Je peux te dire que, mon gars, je suis hyper concentré, là. Quand la pêche est compliquée... Les poissons, tu les apprécies. Eh bien, je peux te dire que tu apprécies les poissons. Bien sûr. Oh! Attends, il est dans mon dors. Oh bah, on va pas le prendre. Il est pas décroché, hein? Non, il est là encore, mais attends, c'est pas gagné. Il est bien pris, j'espère. Je sais pas. Ouf. Je l'ai, mon joli bar. La cinquantaine de centimètres.
pas évident. C'est une pêche qui demande de la concentration, mais tout le temps. Une erreur d'inattention et ça y est, c'est parti sous les tables et puis tu casses. Donc là, celui-là, j'aurais eu raison de lui. Je suis super content. Très belle récompense, mon Seb, bravo. Oh, il fait un bon 50, je pense. Eh ben, disons, ouais. 52. Ouais, tu vois. 52. 52. Eh ben, je suis content. Bon, et ben fin de la session, les amis. Donc, je te remercie, Vincent, pour cette petite découverte. Deux jours où tu m'as emmené là, à l'île de Ré. Donc, on a fait deux marées, du coup. Difficile hein, pour moi hier. Donc, j'ai eu beaucoup de casses. Toi, tu as fait trois poissons en l'espace d'un quart d'heure. Voilà, et là, on est retourné donc sur, on est allé sur un autre spot aujourd'hui. Voilà, je fais une belle décroche, un beau poisson. Et puis, j'enchaîne avec deux beaux fiches. Donc, franchement, merci. Une découverte. Avec plaisir, mon Seb. Une découverte vraiment qui redonne envie de retourner. Hein. C'est vrai que c'est une pêche où il faut être toujours concentré. Le moindre petit relâchement dans la tension et puis tu as une touche de poisson et puis il t'emmène dans une table. C'est la décroche assurée et puis c'est un poisson perdu. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, écrivez en commentaire comment vous avez trouvé cette pêche. C'est vrai que c'est une pêche un peu forte, un peu brutale, mais moi en tout cas j'ai pris plaisir et c'est le principal à la pêche. Merci Vincent et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.